Bon matin à toutes et tous. Eh bien voilà, on termine le mois et je termine la semaine avec vous puisque nous sommes vendredi et pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous savez que je termine avec vous le vendredi. Nous sommes le vendredi 31 mai 2024, encore un mois qui est passé et le mois prochain, eh bien on commencera avec un nouvel oracle. Comment allez-vous ? Bien, j'espère. Alors, la pensée pour ce matin, l'insouciance. Réapprendre l'insouciance et la légèreté. Ces aptitudes au bonheur oublié et qui rendent les enfants si heureux. Eh oui, l'insouciance. Ça nous rend heureux, l'insouciance et la légèreté, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé contrat à l'endroit. Ça peut être, vous allez peut-être, certains d'entre vous, encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Vous allez peut-être, ça sera peut-être un contrat, un partenariat, un engagement. Mais un engagement légal. Et cette carte, elle indique qu'il y a un contrat qui est prêt à être signé. Ou alors, si ce n'est pas un contrat, un engagement quelconque. Ce contrat, eh bien, il pourrait être une occasion d'affaires. Ça peut être la vente d'une maison. Ça peut être aussi un nouvel emploi. Ça peut être aussi l'achat d'une voiture. Ça peut être aussi un mariage. Ça peut être un pacte. Peu importe, n'est-ce pas, le lien, eh bien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. Donc c'est pour ça, vous pourriez signer un contrat d'engagement au point de vue de votre travail, ça peut être un CDI, ça peut être un contrat de mariage, un pacte, ça peut être un contrat, ça peut être une signature pour la vente d'une maison, la vente d'un appartement, la vente d'une voiture, etc. Et on peut voir sur la carte qu'il y a la balance de la justice, qui indique aussi que si une action, si vous êtes dans une action en justice, eh bien, elle devrait tourner en votre faveur. Donc, si vous êtes en justice présentement, ça devrait être en votre faveur. Et cette carte, elle annonce aussi de nouvelles occasions sur différents plans, professionnels, sentimental, familial, amical, etc. Alors, on vous invite à être à l'affût et soyez réceptifs à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Voilà, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour vous. Et c'est très, 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 très positif, n'est-ce pas? Vraiment. On termine avec une magnifique carte positive pour avec qui ça parlera. L'affirmation pour aujourd'hui, j'attire de merveilleux liens bénéfiques qui m'appuient et me respectent et qui me procurent beaucoup de bonheur et d'abondance. Et bien voilà pour la dernière carte de ce bel oracle, le contrat. Vous savez, si maintenant, présentement, vous êtes dans une procédure de justice, n'oubliez pas qu'il y a la justice terrestre, mais ne pas oublier qu'il y a la justice céleste.
Et là-haut, ils peuvent intervenir à n'importe quel moment, n'est-ce pas? N'oubliez jamais cela. Et s'ils n'interviennent pas, c'est parce que vous devez passer par cette décision pour comprendre certaines choses de votre vécu ici sur Terre, ou alors, si ce n'est pas de ce vécu ici sur Terre, c'est de vos vies antérieures. Ne mettez jamais en doute la justice céleste. Je termine avec le message de ton âme et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé, communiqué. La tempête fait rage dans ton cœur, dans la tête, dans la vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis présentement. Voilà, communiquer, mettre des mots sur ce que vous vivez. Ce que vous avez dans votre petit cœur, dans votre tête, dans votre vie. Et laissez émerger vos pensées. Eh bien, on termine cette semaine, ce mois. Je vous souhaite une excellente journée, un très, 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 très beau week-end. Dans l'amour inconditionnel, dans l'empathie, la bienveillance, dans le rire, la joie, c'est important. Et puis, on se retrouve prochainement pour de nouvelles capsules. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse tout fort. À très vite.